Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Patrick Nérini. Bonjour. D'accord. Donc, nous allons partager un moment avec lui, avec quelques questions. Je sais qu'il est très motivé. Il a beaucoup de choses à dire. Donc, soyez à l'écoute. Merci. Alors, Patrick, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler aussi, en gros, de l'abolition de l'esclavage. D'accord? Oui. D'accord. Mais avant tout, j'aurais aimé savoir un peu plus de toi. D'accord? Mais savoir plus, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Parce que bon, quelque chose en particulier... Alors, en particulier, je voudrais savoir qu'est-ce qui te motive à être en quête de partager ton point de vue, ta vision de la vie et de la Guadeloupe et de notre histoire. Ben, aujourd'hui, ben, nous sommes actuellement assis sur un plateau de télévision d'un endroit mais vraiment extraordinaire qui est sorti du cerveau d'un Guadeloupéen qui est parti et qui est revenu dans son pays il y a quelques années. Et qui a... Mais je me rappelle qu'il y avait un parking là, il y avait des voitures qui se garaient là. Et il a tout construit. Et c'est vraiment, et je souhaite un jour que de plus en plus de personnes viennent ici, à cet endroit qui s'appelle le studio, le canal Genette, qui s'appelait New Land TV à l'époque, et que mon ami, mon grand ami Bernard Vilus m'a permis de connaître. Et franchement, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Et il se trouve que maintenant, Ibo Simon, on aura l'occasion d'en parler, vit ici. Et c'est un homme de télévision, et un homme de télévision dans un endroit d'audiovisuel, ça va ensemble, c'est le plus beau lionnage. Donc pourquoi je suis convaincu par la Guadeloupe? Parce que quand je regarde autour de moi, quand je vois des choses pareilles, quand je vois des gens pareils, quand je vois des gens comme vous d'ailleurs, qu'on se connaît déjà depuis quand même pas mal d'années, je vois des gens qui ont véritablement, comment dirais-je, il y a la personne et il y a au-dessus de la personne. Et on sent véritablement qu'il y a quelque chose là. Et donc, ça, j'y crois, mais parce que je vois, d'accord, par rapport à ce que je vois. D'accord. Donc, vous pensez, tu penses, hein, peut-être tu vois, que vraiment, il y a une particularité dans chaque homme, et en particulier chez notre homme. Aujourd'hui, tu mets en valeur, en avant, notre hôte, et aussi Ibo Simon, qui habite dans ces locaux. Donc, on dira aussi un grand merci hein, à M. Mirefleur, d'accord, d'être aussi engagé dans ses actions, de promouvoir quelque part les valeurs qui portent... Les valeurs. Voilà, merci. Voilà. Et M. Nérini, encore une fois, hein, je dirais, parlez-moi, que pensez-vous d'Ibo Simon? Ibo Simon, parce qu'on a oublié la famille Mirefleur, parce que c'est... Maman Mirefleur, sacrée dame. Que penser d'Ibo Simon? Ibo Simon, c'est un personnage, pour moi, un personnage de légende. Et j'ai vraiment, je suis vraiment ému, je frémis toujours à être dans la même pièce qu'un homme pareil, parce qu'il a ses défauts, hein. Mais bien sûr. Heureusement quand même. Ben heureusement parce que quelque part, bon, tout être humain a ses défauts. Mais c'est vraiment un homme mythique dont on parlera dans les livres d'histoire dans les années futures. Je crois que c'est un homme qui a marqué son histoire. Quand je regarde en fait ce que monsieur, le film qu'avait fait monsieur Lara à l'époque en 1980, hein, Vivre libre ou mourir, il a choisi qui? Ibo Simon. Et quand on regarde Ibo Simon, d'ailleurs, je pense qu'on aura l'image, quand on regarde Ibo Simon avec l'uniforme, il n'est pas ridicule. Il est vraiment, il est vrai, il est réel. Il dégage quelque chose, une autorité de cet homme. Une force, une puissance, une autorité. Et c'est important parce que, je parle militaire, hein, je veux dire, hein, c'est un uniforme militaire. Hein, parce que c'est quand vous venez avec un uniforme militaire qui ne vous voit pas, l'ennemi vous regarde et vous fait, se met à faire des jeux avec vous. Il a fait la moitié à capacité. Hein. Et bon, on avait l'impression qu'il était vraiment parti pour aller au combat. Voilà. Habillé comme ça, il était investi véritablement. Il était véritablement le personnage.
le personnage d'Ignace. Et c'est important parce que c'est important, ça m'a marqué énormément, parce que ça fait déjà 40 ans cette année. Ça m'a marqué énormément parce que je me suis dit, mais cet homme, il a vraiment le charisme. Justement, Ibo avait à l'époque décidé d'aller discuter avec Patrick Timalon, c'est-à-dire l'ennemi public numéro un, pas forcément pour le peuple, mais je veux dire que bon, apparemment le peuple le protégeait. Et Ibo a proposé, en fait, et la police a accepté, en fait, que Ibo, pour éviter justement un bain de sang, elle a accepté que Ibo Simon aille discuter avec Timalon. Il y a des gens, je me rappelle, il y a eu des paroles, bon, ah ouais, qu'il y a Ibo Simon qui a fait là, mais Ibo est allé. Tout à fait. Il fait travailler. Il fait travailler là. Et il y a des gens peut-être qui se rappellent, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rappellent, ça serait bien en fait qu'on puisse resituer les choses dans leur contexte. Je me rappelle aussi pas mal de domaines dans lesquels Ibo a fait preuve d'un courage, d'une bravoure véritablement. Lors de du décès de Lina, sa femme, sa première, enfin une de ses premières, Ibo, elle a compté quand même, il a beaucoup compté. Ibo a dit qu'il l'avait envoyé en Martinique, elle lui a parlé, je crois, la veille ou l'avant-veille au téléphone, et il ne l'a pas envoyé en Martinique. Et, bon, et donc on lui a dit qu'il fallait qu'il paye, je crois, 27 000 francs à l'époque, en fait, pour pouvoir rapatrier le corps. Et il a dit non, il ne paye rien. Alors donc finalement, machin, donc ça a traîné, et puis il est rentré à la sécurité sociale. Bon, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire, bon, ce ne sont pas des choses que j'encourage. Mais à l'époque où, en fait, on était tellement... on avait un peu peur de tout. Lui, il est rentré à la sécurité sociale et il s'est fait entendre. Je ne dis pas ce qu'il a fait, hein. Bon, il racontera lui-même. Mais il s'est fait entendre. Eh bien, le lendemain, le cercueil était en Guadeloupe. Et après, il a demandé à ouvrir le cercueil parce qu'il veut voir sa femme. Et à partir de ce moment-là, ça a encore traîné, cette histoire-là. On était chez BD Desbranches à Chancy. Cette histoire-là a encore traîné. Résultat, Ibo dit, bon, les peuples, ça qui va, ils ont levé la main. Bon, nous allons lever ce cercueil là, nous allons mettre la rue Frébo, et ils auraient savent pour y'a faire. Résultat, je me rappelle qu'il y avait Ménade, attends, c'est Ménade, Ramad, Jocelyn. Et il y avait, et puis moi, c'est la première fois que j'ai un cercueil, et le quatrième, je me rappelle plus, je crois qu'il y avait Ibo Simon. Et on a levé le cercueil et nous traversons tout le parking à la tour ceci. Et nous avons traversé la villa. L'organe nous attend. Un paquet de boîtiers qui a débarqué pour tirer, gendarme, machin, tout le juge, tout le même. Ils ont débarqué, ils ont fait nous remettre ce cercueil là en place et nous retourner déposer ce cercueil là. Nous n'avons pas venu chercher Bab. Nous venons nous manifester les autres. Puisque Ibo a fait longtemps, il a posé d'autres questions. Il dit il voulait voir, madame. Voilà. Donc il bon. Sait se faire entendre. Okay. Donc voilà, ça c'est une autorité. Et cette bravoure-là, moi je trouve que c'est vraiment des hommes comme ça qui vous donnent de l'électricité. Oui. Ça vous donne donne de l'énergie, ok, oui. Parce qu'en Guadeloupe, à 3h de l'après-midi, il n'y avait pas un chat dans la rue. Tu des gens qui ont marché, des Syriens, des Libanais, qui ont mis en 7 dehors pour les gens qui ont aussi à la télévision. Donc pour conclure sur Ibo Simon. Il y avait Ibo Simon et il y avait Dallas. Il y avait Rivière, il y avait Ibo. D'accord. Pour conclure sur Ibo Simon, on dira que c'est vraiment une force vive. Ça veut une dire force vive, vive, encore vive. C'est-à-dire qu'il est vivant. Et donc c'est important parce qu'on attend, on a attendu que Manuel Apioche meure, on a attendu que Casimir Létang meure, on a attendu que Guy Corneli meure, on a attendu. Et etc, etc, etc. Robert Oumarou meurt, Café meurt, et etc. Ça suffit. Ça suffit. Il faut qu'on se pose la question de savoir quel problème qu'on a. D'accord. Quel problème qu'on a. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour cela que nous avons proposé de parler de la première abolition de l'esclavage parce qu'il y a une première. D'accord. Donc parle-nous un peu plus de la première abolition de l'esclavage. Parce que je pense que ça te tient vraiment à cœur, parce que comme tu dis, s'il y a une première, s'il y a une deuxième, c'est qu'il y a une première. Voilà. Donc on va parler un peu plus de la première. Et justement, par rapport à ce que vous dites, enfin ce que tu dis, pardon, oui. Elle est tellement impressionnante. Et par rapport à ce qu'elle dit, ce matin j'écoutais M. Renette à la radio et qui disait effectivement qu'il y a une deuxième abolition. Ben, s'il y a une deuxième, il y a une première. S'il y a une première, pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que c'est un non-événement? Est-ce qu'il ne s'est rien passé?
Je ne suis pas sûr. Donc à partir de ce moment-là, le peuple doit savoir, point. Le peuple décidera si c'est important ou pas. On est en droit libre, libre ça veut dire la liberté au peuple. C'est-à-dire qu'on ne doit pas décider ce que le peuple doit savoir ou ne pas savoir. Il y a eu une première abolition de l'esclavage. Il y a eu des combats, si vous voulez me poser des questions, il n'y a pas de problème. Alors ça c'est déjà, je vais te demander en quelle année, parce que ça compte beaucoup. Alors c'était en 1794. D'accord. 1794. D'accord. Dis-nous, combien de mois, combien de jours, combien de temps a duré cette période difficile de guerre? Ça a été très difficile. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne parle pas d'une affaire qui a duré depuis le mois de juin, l'arrivée de Victor Hugues, d'ailleurs on va le voir tout à l'heure, l'arrivée de Victor Hugues. Alors nous sommes ici à Salines, d'accord? Alors nous allons découvrir là où Victor Hugues est arrivé, en Guadeloupe. Donc avec M. Néréni, il va vous en dire un peu plus. Hein? Oui, ben c'est la place de Salines, comme disait madame. Oui, effectivement, c'est ici que Victor Hugues débarquait en Guadeloupe. Ici, à côté, moi je suis particulièrement à côté du stèle régi pour l'arrivée de Victor Hugues en 1794, d'accord, et aussi ça a été construit par le comité 94, d'accord, donc ils l'ont fait dans les années 1994, c'est ça? 200 ans, après 200 ans, c'est vraiment une reconnaissance, donc j'invite tout un chacun à prendre connaissance de ce lieu particulier et de ce stèle régi en mémoire de Victor Hugues. Alors donc là, bien, comme disait Maggie, en fait, bien, nous sommes devant la stèle, et la stèle qui a été érigée en 1994 pour le bicentenaire par le comité 94 que je salue d'ailleurs, dont M. Beauzivoire fait partie, M. Beauzivoire et Mme Beauzivoire qui ont créé le musée des costumes d'antan en fait à Périnette au Gosier. Et là nous sommes effectivement sur la place de Salines, et voilà donc ce monument, ce magnifique monument quand même qui fait près de 7 mètres de haut, eh bien mérite que vous veniez voir, que vous veniez le visiter et se poser des questions en fait de savoir, mais ce pan de l'histoire en fait, est-ce qu'il mérite en fait qu'on en parle? Je pense que, nous pensons à Nouaillou, qu'en faisant la part des choses en fait, entre la première abolition et la deuxième abolition, on retrouvera pas mal d'informations intéressantes. Voilà. Guadeloupe et le mois de décembre où en fait le Victor Hugues a gagné. Et a combattu qui? Oui, tout à fait. Parce qu'on est bien d'accord que c'est une affaire de blancs et de blancs. Tout à fait. Il y a des blancs et des blancs. Mmh. Je veux dire, les combats, on n'a pas, c'est pas des combats, il a débarqué et puis il s'est mis à combattre les nègres pour abolir l'esclavage. Non. Bon, nous sommes bien d'accord que c'est une affaire de blancs et de blancs. Donc, ça, la première chose, c'est qu'il y a blancs et blancs. Tout n'est blanc, je dis blanc, mais enfin, bon, c'est pas forcément pour. C'est comme ça qu'on dit, bon, il n'y a pas de problème. Bon, on dit le coderme aussi. Bon, et nous, on est des locaux. Et, et donc, comme la Guadeloupe est constituée de tellement de gens, monsieur Ramat, c'est en Matignon. Bon, et il est vécé au Caire, madame Aïbou. Donc, là, Victor Hugues débarque avec 1000 hommes, mais il ne sait pas que les béquets en Guadeloupe, parce que nous appelions des béquets. Même si on les appelait peut-être pas béquets, mais on avait des béquets. Mm-hmm. Les propriétaires de la Guadeloupe qui ont acheté la Guadeloupe. Oui. Et il y en a qui ont acheté la Martinique. Donc en Guadeloupe, vous avez M. Well qui a acheté la Guadeloupe, qui n'était pas français. Et vous avez M. Duparquet qui a acheté la Martinique. En Machimoun, je ne sais pas. Bon, à part d'aller mettre des Taïnos, des Arawaks. Des Arawaks. En bas de les Caraïbes trouvaient les Arawaks là. Exactement. Donc, il y a propriétaire à la Guadeloupe, c'est-à-dire où acheter en casque, en fait. Toute la Guadeloupe, c'est là. Bon. Et là, la France Cavine abolit l'esclavage. Au cas dit oui, au cas dit non. Tout à fait. Quand il a choisi de dire non, ben, à partir de là, la France dit, bon, eh bien, camarade, il faut que, il faut abolir l'esclavage. Sinon, vous pouvez s'en mettre à l'aide de la bateau là, c'est pour vous emporter la guillotine.
ah, si un tel dit comme ça, mais moi-même personnellement, comme Angé a fait les Anglais sortir en Martinique, parce que la Martinique était anglaise, Angé a fait les Anglais sortir en Martinique, à partir de là, bon, eh bien, fait ça, on y a fait, encore voici trois bateaux, ni machin, ok, nous allons régler ça tout de suite. Sauf que Victor, il trouve un système. Il contactait les blancs pays, les milates et les nègres. Les blancs pays disent, ok, nous allons combattre les béquets. Mais attends, blanc pays, tu es salarié à béquets. Tu es à travail pour béquets. Tu es salarié, c'est l'aide de travail. Casla, on y là, pas casla, on va rester là. C'est-à-dire qu'on va faire travail à mon nation, en maison de fonction, pas du ville, hein, en maison de fonction. Peut-être que ça a été une ville là, vous voyez ça. Donc, il a décidé de. Il a décidé, blanc pays, hein. Blanc pays, il a décidé de combattre patron à eux. C'est peut-être ça le début du syndicalisme. Ensuite, continue les milates. Milat, c'est Timoun, pratiquement, Timoun a, pratiquement, Timoun a blanc, et bon, pratiquement un qui a béqué. Oui. Bon. Et, pas un qui a béqué, mais je dis que bonne partie de béqué. Là, regardez, oh oh, les Milat savaient que, bon, en cas ça, c'est moi qui ai inventé un peu, ils n'ont ni droit de venir à Kapapayo, mais ils n'ont pas ni droit de s'user à table. Et, frère yo, et sœur yo, ils ni droit de frapper yo. Parce que yo, c'est Timoun en négresse. Donc, et maman Milat là, ok, peut-être aussi, peut-être maman Milat là, il y a un esclavage ou il y a peut-être un semi-esclavage toujours. Donc, quelque part, Milat là, point fait et cause à maman. Tout à fait. Voilà, Mion Ibossimon. Tu vois, il prend fait et cause à maman, pas papa de maman. Et c'est ça qui fait Toussaint l'ouverture, c'est ça qui fait en Haïti. C'est exactement même bien, la même schéma là, c'est-à-dire, Nek, Milat et Météo ensemble contre Béké. Et donc, c'est intéressant parce que l'histoire là, ça est important, puisque le combat là a duré 6 mois, c'est ça, nous te l'avons dit là. Juin à décembre. Juin à décembre, Victor arrivé le 3, nous qui sommes sur la plage de Saline le 6, le 6, nous qui faisons un petit dépôt de gerbe. Et c'est important de marquer l'histoire là, ça. À part nous qui construit le monument là, en bas, quoi, c'est les politiques, hein? Même si effectivement, monsieur président du Conseil général était là, pour l'inauguration là. C'est le comité 94, c'est monsieur Beauzivoire. Monsieur Beauzivoire, encore un personnage, oui. Qui a fait partie du comité 94, c'est lui qui mettait, ou quoi, ouais, c'est statut à l'entrée de Sainte-Anne. Oui. Ou quoi, ouais, des mounes en morceaux, en fait, ou quoi, ouais, tête, ou quoi, ouais, pieds là, ou quoi, ouais, des sculptures. Ok, et bien c'est lui aussi, le comité 94. Il fait ça après. Bon. Et donc, ces messieurs venus, ils ont fait, enfin, ces messieurs, ces mesdames là aussi, t'as dit madame, c'est qui Maria Camélia, qui, madame Camélia, qui a parlé de Tété, okay. Madame protégée. Santé à Tété Azot. Et en fait, c'est eux qui venaient monter le musée de costumes à Périnette. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas une mince affaire. Hein. Parce qu'on ne peut pas retourner deux fois pour voir même bidien à chaque fois. Donc, il faut y trouver des textes. C'est tout le temps, depuis quand même plus de 10 ans. Donc, même plus que 10 ans. Donc, ce qui veut dire en termes plus clairs que vous n'y un monument sur la place de Saline qui a marqué arrivée à Victor Hugo Guadeloupe. Est-ce que nous avons dit, ah oui, nous avons marqué arrivée en blanc, un peu comme Chelcher, ah oui, en blanc, libérateur, etc. C'est pas ça seulement, au sein de mon avis, à 1000. Oui. Mais là, il n'y aurait pas dit, il n'y a pas été à 1000. C'est mon avis de mort en Guadeloupe. Il y a eu une combattre jusqu'à la mort pour abolir l'esclavage. C'était des blancs. Ils ont venu en Guadeloupe pour abolir l'esclavage. Qui côté ou quoi vont vite comme ça? À part peut-être la guerre de sécession aux États-Unis. Non, poser une question. Parce que là, pour la tête de l'homme. Alors, en cas de demander mon idée simple, quand vous voulez passer comme message, les ouvriers au Caï, symboliquement, expliquer la première abolition de l'esclavage. Car vous voulez faire passer, parce que, ou encore, ça a qu'un voix à cœur,
c'est symbolique pour... Mais quand vous voulez que le peuple reconnaisse le plus, alors donc, les pâques qu'il doit tenir. Vous signez deux abolitions. La première, il a coupé tête à... Il peut être coupé tête à béquet. D'accord? Enfin, pas béquet seulement, enfin, oui, colon. Et il y a la deuxième abolition, il y a indemnisé. Tout à fait. Alors, donc, souvent les vont Timon, et qu'ils vont habiter en citable, ok, ou bayon bonbon. Lorsqu'ils il répond habiter en citable, ou bayon bout de senti, Timon, même si sont animaux, hein, un chat, un chien, on Timon, je veux dire qu'il n'a pas dit un Timon au chien, hein, mais franchement, en tête, il dit, mais ça bizarre. Oui. Pour même bidet là, on joue pas à compenser, on joue pas à taper. Donc, ça n'a pas ni cohérence, vous voulez dire. Voilà. Nous avons une cohérence et vous voulez faire ressortir l'incohérence des abolitions. Voilà. Et mettez en lumière à ce qui fait pour nous peut analyser et comprendre est-ce que c'est. Est-ce que ce n'est pas quelque part de ça qui a fait peut-être que nous avons un problème avec l'histoire? Avec l'histoire, voilà. En sorte de déséquilibre identitaire. Et donc d'une réconciliation avec l'histoire. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut marcher sur des pieds. Quoi. D'accord. Donc, vous voulez susciter des questions, hein, un questionnement personnel pour tout un chacun, mais aussi que, susciter la réconciliation avec notre histoire. Mais peut-être que je vous dis trop parce que bon, faut pas moins moi, moi de 10 peuples ça peut faire. Non. Mais excusez-moi, à que couper, c'est peut-être. Mais ça. Parce que vous ne pas haché moi. Non, mais haché parce que l'amour pas qu'à haché. Même si en haché, ça veut dire que vous avez les. Non, mais si vous haché, vous pouvez trouver moi. Mais bien sûr, c'est tout à fait. Mais il faut bien savoir que H veut dire séparation, veut dire discipline. D'accord? Bon, H, c'est couper. Alors donc? Donc, en tout cas, poser la question, pas poser, hein, sans qu'à voir quelqu'un sorti, c'est que pour moi, la réconciliation entre des abolitions, faire peuple la comprendre, éveiller quelque part les consciences, poser des bonnes questions pour pouvoir évoluer plus équilibré. On va essayer de trouver mot parce que là, c'est très spontané, très naturel, ça nous va faire là. D'accord? Donc, moi, en Karekène, vraiment, on désire de transmettre et de dire, ouais, mais nous ne pouvons pas arrêter là quand un qui dit, ouais, mais c'est comme ça. Non, c'est nous à chercher, à fouiller, à chercher la raison de la cause du pourquoi. Mais oui, puisque voilà. On va voir un couteau, mais couteau là plein sang et madame a couché à terre là. C'est une tuerie. Oui, non. Mais comme on va voir tout le film là. On ne peut pas ça. Mais non, là, on va peut-être que Bougla vient trouver madame Ekouchatel là, il tire le couteau là, et voilà, il l'a regardé, vous débarquez, bim, l'a regardé, vous dites qu'on fait là, pourquoi on fait ça? Mais Bougla, tu ne m'as pas fait rien. Mais pourquoi tu es mal reste là? D'accord. Donc, on a envie que vraiment, voilà. Quand on va là pour Bamouni, les sons du monde dit fait ou pas fait, non. Mais quelque part, à ton message là. Qui n'a pas dit ça? En traveling. Oui. On éclairage. Voilà. Mais à dans message là, ou pas fait passer là, moi, sans qu'à tirer comme leçon ou comme question, c'est que, ou envie que la population là aille chercher l'histoire et puis comprendre vraiment l'histoire, et puis trouver en paix avec l'histoire là, réconcilier avec lui-même. Moi, c'est sans qu'à ressentir, c'est sans qu'à vrai, c'est ben sans qu'à. Comprendre à nos propos. Si quoi permettre, puisque aucun si plage là pour nous, la pour nous là. Oui. Mais aucun si plage là, encore entre au fond la plage là. Pourquoi avoir monument là? Mais encore, faut peut-être ni peut-être la curiosité de voir qu'il marqué le monument là. Et à partir de là, tu mais attends, mais nous avons mis abolition d'esclavage. Bon, comment il n'y a pas agenté en ça? Puisque c'est à partir de l'événement là, ça, hein, que la place Sartine vini place de la victoire. Après tapis. Vous savez combien de places de la victoire qu'il y a dans le monde? Deux. Je crois. Ah, ok. Très bien. Deux. Ok. Donc, Otini. Bordeaux. Oui. Ok. Ok. Et Bordeaux, c'est qui l'année? Encore oublié, mais en sable 100 700. Non. C'est Bordeaux. Bordeaux, c'est 45. 1945. Ouais. Okay. La place de la victoire, c'est 1794. D'accord. Donc, c'est la Bordeaux, c'est la guerre 45. Tout à fait. Bon,
que Ibote a été comme l'injet, pas l'injet, il y a un loge. Parce qu'au pas crier tout bien place la victoire à Martinique, il a crié place la savane, à Bastère, il a crié place le champ d'Arbo. Donc ce qui veut dire qu'on a place la victoire, et si on dit place la victoire, ou dire au cinéma là, quand on est côté place la victoire, on peut cacher chez Bastère. Non, bon. Ok. Donc ce qui veut dire en termes plus clairs que la place de la victoire, c'est un côté qui est fondamental. En plus, il y a le mot victoire. C'est dans l'autre monde, le prénom Ayo, c'est victoire. Tout à fait. Bon. Et pas des petits garçons, surtout des filles, parce que les filles sont peut-être plus brandissent l'étendard de la victoire, hein, parce qu'il y en a toujours choisi une femme, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien. Jeanne Hachette, Jeanne d'Arc, Solitude, etc. Okay, on a besoin de la statue de la liberté, c'est une femme. On a la Marianne en France, c'est une femme. C'est important. La femme, elle réveille quelque chose, elle suscite quelque chose en l'homme. Et c'est important. Donc il faut que, c'est pas pour rien aujourd'hui que j'ai la chance et le plaisir, la joie visuelle aussi et auditive d'être à côté d'une femme, d'être interviewée par une dame. Donc c'est important, la place de la victoire, c'est à partir de 1794. Donc c'est un événement fondamental de l'histoire de la Guadeloupe. Oh là, ok, après la place de la victoire. Mais la place de la victoire, c'est quoi? La place de la victoire, c'est où? Mimi. La place de la victoire, c'est quoi? Et donc, à partir de là, c'est important de dire, puisque nous parlons de mai 67, je crois que j'ai de là une manifestation, puisque je donne le 27 mai, qu'il y a une manifestation, c'est la place de la victoire, Kenny Tambou, etc. Mais la place de la victoire, c'est à part le 27 mai, ni 1967, ni 1802, que la place de la victoire, une place de la victoire. Qu'elle est baptisée place de la victoire en 1794. Tout à fait. D'accord. Ça c'est clair. Donc, pour la première abolition de l'esclavage, donc, nous avons fait l'impasse totale parce que nous avons estimé qu'elle durait seulement 8 ans. Donc, à partir de là, ça n'a pas importance son non-événement. Sauf que, par rapport à la question là, posez-moi là, le message. Oui. Sauf que, en Martinique, la Martinique est restée propriété des colons. Tandis que la Guadeloupe, les terres ont été distribuées. Donc il y a eu des mulâtres, il y a eu des blancs pays et il y a eu des nègres. Tout à fait. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons bien vu, d'après moi, nous avons vu la différence là. Nous avons bien vu, peut-être que nous avons peut-être fait considérer que nous avons vu, que c'est une différence entre la Martinique et la Guadeloupe au niveau terre. Tout à fait. Et la liberté, c'est la terre. Tout à fait. Bon, maintenant, c'est sûr que souvent vos propriétaires en pays, et que là, on va comprendre quelque part, on va comprendre problème à béquer. Parce que c'est des mouns. Et c'est mouns qui là à présent. Donc je dis que si vous, par exemple, papa, il viole un moun ou papa, tu es un moun, mais à part vous. Qui fait? Donc, on a dit quelque part, il faut nous couper des liens. Couper, attention, pour ne pas dire couper, pas attention de couper. Hein. Non, mais parce que comme il y a pas dit. Donc, pour me souvenir de la place à la victoire, il faut couper tête à mon tout bonnement. Mais oui, mais donc aussi, quelque part aussi, il faut nous couper. Mais il n'y a pas couper tête à eux parce qu'ils étaient esclavagistes. Il faut couper tête à eux parce qu'ils défendent. Et voilà, et ils combattent meilleur patria. Okay. Donc, c'est quelque part de la haute trahison. Tout à fait. Ils combattent pour intérêt, en posant la question si en 1848, ils n'ont pas menacé de mener la guerre aussi, pour empêcher l'esclavage aboli en 1848. Qui fait que chercher, tu es obligé, on l'élait pour Gaga. À l'époque, c'était Arago, c'était Carnot, c'était chercher, Lamartine. Bon, mais voilà. Et tout de suite, la chercher, bon, oui, mais le problème qu'a posé, c'est que chercher menait des combats. Puisque peut-être un jour, peut-être qu'ils savent qui relancer, ça, il va créer une polémique.
polémique à la question chère. Peut-être qu'on joue, peut-être au monde qui a posé la question, qui monde, peut-être au monde qui a posé la question, qui monde qui a relancé ça. Oui. Et en qui but, on a relancé ça. D'accord. Vous savez qui monde qui a relancé la question là, ça? Non. Ben, quand on a écouté, dis-moi, dis-nous, parce que on est là pour parler. Pour je crois que pour l'instant, peut-être que, je ne sais pas si peut-être qu'il faut tout dire, mais parce qu'on mange tout, on ne dit pas tout. Parce que peut-être on peut comprendre, mais je veux dire qu'il est possible qu'on joue quand on dit qui est lancé et qui groupe qui lançait parole là, et comment dire, ça qui fait là, et à partir de ce moment-là, qui pas été caché à pour monde, mais qui lançait ça de manière publique, et que ça fait finalement que ça fait tache d'huile, etc. Ça fait quand même pas mal, quelques années, peut-être une dizaine d'années. D'accord. Donc, encore revient si, aussi. La première abolition de l'esclavage, on dit qu'il durait 6 mois et c'est peut-être pour ça qu'ils ont occulté quelque part, ils ont mis de côté. Pas 6 mois, non. Pas, on dit de juin à décembre. Non. Okay. Le combat-là, oui, durait. Mais donc, l'abolition durait de 1794 à 1802. D'accord. Mais pour le combat, encore revient, encore reformulé, pour le combat, c'est de juin à décembre. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour quelle raison, on a dit, il y a moins d'importance, moins de valeur qui de la deuxième abolition de l'esclavage. Parce que, premier là, quelque part, personne n'en parle vraiment. Il va parler plutôt de deuxième abolition de l'esclavage. Ben, 1794 à 1800, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. Oui. Bon, 1800 à 1802, ça fait 2 ans. Bon, donc 6 ans plus 2 ans, ça fait 8 ans. Donc l'abolition a duré 8 ans. Et l'abolition ayant duré 8 ans, bon, on estime que bon, c'est un non-événement, c'est pas suffisamment. Et que la France rétablit l'esclavage, la France pas respecté par Olaï, puisque c'est un traumatisme. Sans bitter qui règne. Ôté libre. Et au cas retourné en bajouk. Ouais. Là, son traumatisme, tout à son fait. Bien, mais il règne. C'est-à-dire, comment, pourquoi, ou quoi faire ça? Voilà. Mais, il faudrait peut-être que nous gratter, parce que la vérité, est, des fois, est pas loin. Hein. Elle est là, tout point. Tout point. Pourquoi on va voir quelqu'un fait au fond, là, pas mettre des lumières là, si Bible, on va voir tout de suite. Peut-être qu'on va voir son lion, on va débarquer là, ou un crocodile, bah, ils savent. Ou pas de travail pourtant. Bon, et subitement, on voit la vérité. Peut-être donc, aussi, c'est pas le moment. C'est peut-être là, vrai, on lit son chat. Non. Hein? Mais comme on va dire des fois, on pas vrai. Donc, s'il pas visible, c'est peut-être parce qu'à le moment là, ça puis être visible. Ah, parce que le moment. Madame Magui, la spirituelle. Madame Bordelais, la spirituelle. Non, c'est pour aller en sens. C'est pour chaque chose qu'a fait au moment pour y faire. Voilà. Ah. Ça veut dire, mais c'est encore répondre ça au dit. Parce qu'on dit peut-être qu'il est tout prêt et nous pas vrai. C'est peut-être parce que Zier nous pas ouvert suffisamment. Peut-être que c'est pas le moment. Il y a plusieurs raisons qui ont fait nous pas vrai en bité. Donc c'est peut-être pas dans la Bible, en fait, mais en partie, non, et c'est révélation. Il y a un temps pour que ça soit révélé. Que ça soit à nu. Et à ce moment-là, c'est visible. Parce que tout, si nous considérer que tout bitaine y a temps, eh bien, nous allons accepter les choses, Jean y a présenté. Parce que sinon, si tout bit était révélé en coup, il n'y aurait rien eu à apprendre. Absolument. Donc, dans la vie, c'est un cheminement. Eh bien, cheminement là, ça, aujourd'hui, qui a fait nous partager ce moment là, ça, et qu'on a pensé que. La population qui a pris aussi plaisir à partager avec nous. Donc, nous habitons aussi en tes vraies vignes. Il ne faut pas nous rouler les étapes. En fait, lorsque la maternité, normalement, bah, oui, normalement, il faut apprendre. Mais non, mais c'est pitié à pitié. Il faut apprendre debout et après, il faut apprendre marcher avant d'apprendre oui. Mais ça, c'est sans aucun doute. Mm-hmm. Sans aucun doute. On bébé. Mais si nous regardons aussi en bébé, qu'on a dit, peut-être que nous t'es qu'à apprendre tranquillement. Posément, et nous t'es qu'à accepter aussi de tomber et de relever. De tomber aussi. D'accord, mais parce que l'enfant. L'oisillon, quand même, excuse-moi, l'oisillon, quand même, maman et papa, il a bouillé, qui est en dehors du nid, et parce que vous savez, en fait, qu'il peut qu'écraser à tel là, et de toute façon, même s'il écrasait à tel là, c'est pas ça grave.
ça va faire mal, ça va chier cœur. Mais c'est qu'il était pour craser à terre là. Parce que normalement, il faut y apprendre à voler de propres ailes. Tout à fait. Et ça, c'est important. Ça, c'est la nature. Mm-hmm. Et quel que soit mon assis la terre, il faut y apprendre à voler de propres ailes. Ça, c'est très important. C'était très souvent, nous avons fonctionné avec des normes. Nous avons fonctionné par rapport à ça. Énormément. Nous avons fonctionné par rapport à ça. Nous avons inculqué. Donc, automatiquement, on ne peut pas dire que vous croyez fonctionner naturellement. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de reconnaissance à tous les coups que nous allons chercher. Nous paie. Parce que vous savez bien, différence ça comment on apprend en timoun. En timoun qui vient naturellement. Ça veut dire que timoun n'a pas qu'à calculer, il est spontané. D'accord? Nous, là où on grandit, famille ou kabar des éducation. Éducation là, ni des normes à donner. Normes là qui a construit en personnalité. Personnalité là qui a grandi et qui a venu et qui a pris en fonction de saïni, saïni, et qui a accueilli dans la société d'autres valeurs. Et à ce moment-là, c'est soit il a venu libre parce qu'il a gardé côté enfant haï et que ça n'a pas posé pas problème d'être naturel, mais si c'est destin haï, ça se fera. Mais si ce n'est pas destin à aussi, c'est qu'en conflit. C'est pour ça. Et en permanence, mouna ça, personne n'a ça, que ni des valeurs quelqu'un voulait faire passer, mais quelqu'un rentré en confrontation. Et c'est ça le problème. Et même quand on naturel aussi, les valeurs qu'on voulait faire passer, pas obligé, facile pour tout un chacun. Parce que chaque monde formaté, conditionné d'une manière ou d'une autre. Voilà. Parce que là, on a regardé, si vous tournez, vous regardez ça les anciens portaient, ça y a fait, ils étaient très ancrés, ils étaient qu'à respecter la nature, ils étaient naturels, ils étaient ni la science. Contrairement aujourd'hui, nous ni en l'eau instruction, mais nous perdons vraiment ce que c'est la science. Ce que ça a fait en homme et en femme solide. Monsieur Nérémy, d'accord? Alors, dis-moi, en que vous avez en question, comme d'habitude. Alors, on y regrette en vie, est-ce que vous pouvez dire si on y regrette quelconque? Au plaisir? Je me posais la question récemment et je répondais d'ailleurs à quelqu'un sur Facebook, justement, hier. Ni remords, ni regrets. Je pense avoir cette chance-là. Ni remords, ni regrets. Il y a peut-être des petites choses, comme il y a des choses certainement que j'aurais faites autrement, mais je ne serais pas moi si je n'avais pas commis certaines erreurs. D'accord. Donc ça veut dire que si c'était à refaire, tu aurais refait le même parcours. Tu es satisfait de ta vie jusqu'à maintenant. Dans la mesure où on ne peut pas refaire le même parcours, on ne peut pas refaire le parcours et on ne peut pas repartir en marche arrière exactement sur nos pas. Je sais que de toute façon, la chance de penser aujourd'hui, je ne sais pas pour demain, si ce qui va se passer demain, mais si je viens fermer les yeux demain, ce soir, je sais qu'on pourra marquer sur ma tombe que j'ai essayé. D'accord, c'est ça le bon, c'est d'avoir essayé. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai essayé. D'accord. Et c'est quoi l'amour pour toi? L'amour, ça dépend. L'amour éros, agapé. Ah oui, alors, non, nous pouvons parler de l'amour éros en premier. Dis-moi, quel mot? Ben, disons que. Peut-être que je ne suis pas forcément bien placé pour en parler, parce que bon, je suis peut-être quelqu'un d'un peu exclusif, peut-être quelqu'un qui fait des choses de manière un peu bizarre, en fait. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui accumule les aventures. Donc, j'ai eu trois personnes dans ma vie, vraiment. Là, je suis à la troisième. D'accord. Donc, ou assez stable dans l'amour et Ah oui. D'accord.
Donc, nous pouvons aussi parler de la Mustang. Je n'ai pas tellement de mensonges. J'ai pas tellement de mensonges. Donc, en fait, j'essaie de mettre toutes les conditions possibles pour ne pas avoir, être dans une position à avoir à mentir, à raconter des histoires, pour ne pas qu'elle puisse. Donc, on m'a dit court. Hein? D'accord. Donc, et la Mustang. Qu'est-ce que tu entends par la Mustang? Avec la Mustang, parce que c'est toi qui as commencé, qui m'a dit que c'était l'amour Eros, Philos, Storgé ou Agapé. Qui l'a sauvé les Non, je connais Agapé, mais je ne connaissais pas Storgé. Mais qui l'a sauvé? Ou pas connaître Storgé? Non, non, non. Donc l'amour Storgé, c'est l'amour parental, l'amour des proches. Philos? Ça veut dire, non. L'amour Philos, c'est l'amitié. D'accord? Mais Philis, c'est le père, le fils. Oui. Mais l'amour Storgé, encore, parce qu'on posait moins la question, donc peut-être aussi les téléspectateurs qui aillent chercher pour comprendre ce que c'est. Parce qu'en général, en français, il n'y a que parler de l'amitié et de l'amour. C'est vrai, M. Néréni suscitait à la moins l'envie de partager les quatre amours qu'elle nous dit quelques mots, c'est ça. Donc, il y a l'amour Eros, l'amour d'une femme pour un homme ou d'un homme pour une femme, ou Jean Ouvray. L'amour Storgé, qui est l'amour proche. Donc, à un couple, il existe deux amours. C'est l'amour Eros et l'amour Storgé. Ça veut dire cet amour-là, uni pour Madame Ao aussi, hors la sexualité. D'accord? Il est proche. Eros, la sexualité, Storgé, la famille, les enfants, ça veut dire les proches, très 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 proches, d'accord? Et l'amour Philos, c'est l'amour que unit en amitié ou plus élargi. Et l'amour Agapé, c'est l'amour universel, c'est l'amour que Dieu a pour nous, ou bien qu'elle nous unit pour tout un chacun, sans qu'elle nous désire changer, d'accord? Donc, partager les verres, en passant en pétromper moi. Hein? Donc, comme on sent personnalité particulière, on sait où aimer chercher, creuser. Donc, peut-être qu'on peut aller chercher, creuser. D'accord? Donc. Oh, mais j'aime bien qu'on m'explique aussi. Hein, parce que bon, mais oui. Mais en gros, parce que nous ne pouvons pas arrêter trop longtemps. On peut pas creuser. Mais nous ne pouvons pas susciter quand même. Hein? Là, l'important, c'est de susciter. C'est d'éveiller. Oui, absolument. D'accord. Ce qui compte, c'est l'éveiller. Éveiller les consciences, éveiller le désir, l'envie de connaître. Et puis, nous tous différents, accepter aussi les différences parce que c'est vraiment la richesse. Je crains la prochaine question. D'accord. Non, il n'y a pas, ça ne fait pas peur. Alors, dis-moi, qui j'aurais exprimé l'amour? L'amour agapé ou l'amour philos? Mal, très mal, forcément. Pourquoi on va exprimer mal? Très mal, très mal. Mais forcément, oui. C'est-à-dire que bon, ou pas j'ai qu'à exprimer les gens peut-être pour exprimer. Peut-être parce que c'est mon âme, peut-être pas qu'à comprendre ni comme ça, ou peut-être qu'à voir ça autrement, etc. Mm-hmm. Donc automatiquement, peut-être que c'est vous, en fait, qui a mal dégagé. Donc, voilà, en fait. Mais est-ce qu'on est convaincu de ça au café ou ça au café? Forcément, je dis totalement convaincu. Bon, totalement convaincu. Bon, est-ce qu'en convaincant, ça c'est une autre question. Peut-être voilà. Ça c'est une autre question. Mm-hmm. Donc, ça c'est peut-être des questions pour moi que peut-être que le public là peut-être peut répondre si en fonction de perception là. On ne va pas parler de perception au début tout à l'heure. La manière dont on a percevoir ça au café. D'accord. Parce que ça un parcours qui, du combattant, c'est vraiment un parcours très difficile. Hein. Son parcours très très difficile. Et ni d'accueillir un être vivant qui est sorti Adam en son sein. Donc c'est normal aussi que ça a compensé. Voilà, ça compense aussi la force de la douleur ou le degré de la douleur subie. Mm-hmm. Ça veut dire que le plaisir est tellement intense qu'elle a oublié. Non. En tant que femme, ou qu'a oublié. Alors, monsieur Néréni, quand vous voulez dire mon que vous aimez, quand tu veux dire mon qui aime et mon ou aime, quand tu dis yo là, je dis là. Tu es aimé que retourner vers yo. D'accord. Avec la satisfaction que sans te promettre quand tu es fait, que en fait.
On ne sait pas si on réussit ou pas, mais quoi qu'il en soit, santé pour faire, en fait. Ça qui baille après, puisque bon, l'on plante un noyau, ben, il est clair que bon, on peut rester si c'est là à attendre pousser. D'accord. Bon, donc, on va faire pousser. Donc, on va considérer qu'en tout cas, on va faire du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Et si le peuple a au moins la possibilité en fait de aller plus vite, d'accord, c'est-à-dire que le peuple a accepté de peut-être à main tendue, ok, accepter main tendue là, c'est-à-dire que accepter que de me de qu'on s'aura fait là, d'accord. Si le peuple a accepté, peut-être que ça qu'il aille plus vite. Et le fait que ça qu'il plus vite, à partir de là, qu'on sent qu'il peut rentrer, retourner en famille, en qu'il retourner à dans vie de famille, moi, parce que moi, arrêté vie de famille pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est comment réconciliation? On va pas chier. Non, on ne va pas vous dire qu'il y a eu rapprochement. Non. Moi, retourner à dans la règle à famille, vie de, à vie de famille. D'accord. Petits enfants moins, Timouna moins, etc. Madame moins, etc. Voilà, Timouna, etc. Je veux dire que voilà, moi retourner à dans envie de famille. Et là, ça par contre, t'as été bien aimé. D'accord. Et si tu es pendant qu'on est trop vieux. D'accord. Pendant on est tout. Il peut profiter des moins, voilà. Des moins parce que bon, il y a pas tenu vraiment l'occasion de profiter de moins assez comme mon monde qu'a fait habituellement. Et en vie, ou quand pensez que vous devez commettre des erreurs, d'éviter de blesser au monde et déranger au monde, si vous avez un pardon à demander, pourquoi vous nous demandez un pardon? Ouh, un paquet de monde. On dirait que j'en suis un paquet de monde. En premier, monde, peut-être vous. Un paquet de monde. En commencement, peut-être pas, moi-même, peut-être. Effectivement, ouais, tiens, c'est pas charité bien ordonnée. Mais commence par soi. À saluer moi-même. Et bien sûr. Et à saluer tout le monde. Hein, pour tout ça, peut-être que. Mais à penser que il y a le monde qui pardonne moi. Et est-ce qu'on pardonne Ça ne va pas tellement rancunier. D'accord. En pas rancunier, on sait lutter par contre, si nous n'avons pas parole que nous commençons, moi j'en conseille certains monde. Si nous n'avons pas parole que nous commençons et nous pouvons finir. Si nous n'avons pas travail que nous commençons et que nous pouvons finir. Non, pour nous finir. D'accord. Ça c'est clair. À pas habiter à la, à pas aimer trop en suspension. Ou dis-moi par exemple un butin qui pas fait un plaisir, ou peut-être c'est vérité, ou dis-moi butin, ben l'organe dit dis-moi parole, mais faut autant de réponses en moins. Tout à fait. Ah, donc, c'est important. Faut du bout derrière ça on pas dit. D'accord. Et c'est ça par contre que nous avons interdit en monde, on a droit de dire mon butin, mais on pas ni à l'obligation d'écouter réponse à tout. C'est-à-dire que nous à l'accusation. C'est-à-dire qu'on va faire des réquisitions, nous allons estimer que bon voilà, nous sommes avocats de la machine, alors que dans le tribunal, on est avocat général et on est avocat de la défense. Non, il faut que, voilà, et que vous voyez que c'est très difficile, c'est très 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 difficile pour trouver le monde qui prend défense ça. D'accord, donc en cas de, sans cas vrai. Alors peut-être c'est vous qui peut-être pas faire suffisamment. Donc ça veut dire si nous gardons bien, fais-nous tes encore gauche et droite, l'équilibre, toujours chercher l'équilibre. L'équilibre émotionnel, l'équilibre. Moi, c'était son seul pied longtemps. L'équilibre relationnel, c'est ça, on va dire. Donc, nous trouvons sorte d'équilibre. Oui, il faut trouver équilibre d'abord et après ça, voilà. Peut-être vous aider. Puisque ça, c'est parole à Gandhi. Il faut être celui que tu proposes, le changement que tu proposes aux autres. Voilà. Mais être, ça veut dire quoi? Parce que bon, être, bon, parce qu'il y a être ceci, il y a être cela, parce que bon, j'ai été chef d'entreprise. Bon, mais il y a aussi, bon, je suis toujours dans mon esprit, ok, la même logique du chef d'entreprise. Mais c'est pas dans ton fer. Toujours l'esprit du chef d'entreprise. Bon, là, il faut que je sois aussi, bon, il a fallu que je sois papa, il a fallu que je sois mari, il a fallu que je sois papa, il a fallu que je sois chef d'entreprise, il a fallu que je sois, mais je sois un certain nombre d'individus, d'accord? Et qui sont toujours la même personne, mais à chaque fois, c'est un départ à zéro. C'est-à-dire tout revenir à zéro. Et tu n'as pas forcément le temps matériel, physiquement, de faire tout ça.
C'est-à-dire à chaque fois, on te redemande en fait de repartir à zéro, une nouvelle naissance. Et c'est peut-être effectivement, c'est une chance. Mais c'est peut-être une chance. Mais, de toutes les mais ça te fait négliger les gens que tu aimes. Oui. Alors, il y a comment une chose... La question que tu m'as posée tout à l'heure. D'accord. Ça tu es obligé de négliger les gens que tu aimes. Tu es obligé. Et les gens qui t'aiment. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de demander, est-ce que vous avez un monde particulier? Oui. C'est ça que vous dites. Oui. Pas forcément un particulier. Non. Pas particulier. Non. Mais en tout cas, pourquoi considérer que de toute manière, pourquoi faire du mieux que vous pouvez? Et c'est ça l'essentiel. Et aussi la sincérité. Moi, je pense que Adam, en histoire, en être humain, c'est que c'est vrai que nous mettons des fois la barre très haute. Et des fois, quand on dit, fais-nous peut-être naturel, spontané. Vrai, c'est ça. Et accepter aussi les événements qui vivent en nous, qui permettent nous de vivre. Quand on va dire, nous pas ni à sentir qu'elle nous abandonné ou laissé à côté, c'est peut-être pas au coup à vivre aussi, c'est comme ça, ou qu'à vivre pleinement. L'autre qui est à côté, il a qu'à communiquer l'équilibre. Et ça va permettre aussi de retrouver en sorte de paix intérieure. Ou t'es qu'à dire, tu allé là, c'est quoi être. Ou peut être en l'obité, mais est-ce que vous-même, c'est ça qui est compté. Être vous-même qui permettre la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais faire ne veut pas dire que je suis exactement moi-même et je suis en phase avec qui je suis. Donc, nous payons tellement tarder encore. Monsieur Patrick Nérini, oui. D'accord. En tout cas, ça fut un réel plaisir d'être en ta compagnie. Je suis encore plus en phase avec moi-même. Ben, je pense que c'est ça l'idée même de cette émission. Je remercie Canal Genet, d'être aussi Canal Genet. De nous avoir permis de faire.